que même vous avez des suggestions. Moi, je prends aussi les suggestions. Après, c'est sûr, planter des animaux, c'est long. J'essaye de faire au mieux, mais ça prend quand même du temps, tout ça. J'ai pas mis de quoi nettoyer l'eau. L'eau, elle va être toute crade. Parce que je crois pas que le nettoyage de l'eau, ça vienne jusqu'ici. Hein. Non, non, ça vient pas jusqu'ici. Il me faut un autre traitement de l'eau. Voilà. Comme ça, ce sera nettoyé. Mais normalement, on est tout bon. Je pense que... On va peut-être pas mettre des cailloux, mais il faudrait peut-être mettre un peu de végétation par là. Peut-être juste des plantes. Genre celle-ci, vous voyez. Ça, je vais peut-être la déplacer aussi, la mangeoire. Je crois qu'il y a le présentateur qui est en train de faire la présentation. En vrai, on les voit super bien ici. Aimez beaucoup cette présentation. Hein. Elle imite très bien le loup. C'est pas du tout un loup qui nous fait là, mais... Je sais pas trop ce qu'elle nous fait, mais... J'espère qu'elle essaye pas d'imiter un loup. Hein, parce que c'est raté. Clairement. Et ouais, il pleut encore. Non, je veux pas cet arbre. Je sais que j'ai enterré un arbre, mais... Miaou ! Faut mettre les plantes c'est important. Mais j'avoue que la mangeoire je la déplacerai bien du coup. Parce que là je l'ai mise là à cause du fait que les gens, enfin les soigneurs pouvaient pas y accéder. Mais c'est quoi tous ces miaou ? Miaou ! Pourquoi tant de miaou ? Allez chocobo aussi. Ok. Miaou et chocobo. Chocobo. Hey, coucou Pagis, comment ça va? Je vais remettre des cailloux, moi, là. En vrai, on prend juste là, juste ces tout petits cailloux. Bon, ils sont quand même assez gros. Peut-être les mettre plutôt près de l'eau. Voilà. Mais les cailloux, en vrai, c'est bien. Ça meuble beaucoup un espace vide. Et c'est top, quoi, des cailloux. Moi, personnellement, j'aime bien les cailloux. C'est très pratique, les cailloux. Bon, après, je pense qu'il faut quand même leur laisser un peu des espaces...
des espaces un petit peu vides quand même, non? S'il y a trop de choses, ils vont pas aimer. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, il me semble pas qu'ils aient des limites de. Ils ont pas de limites hein, pour les plantes. Hein. On peut vraiment. Ouais, on peut vraiment. On peut vraiment charger au niveau des plantes. Ils s'en foutent. Hein. C'est juste deux cailloux, ça, c'est rien. Voilà, juste deux cailloux comme ça, c'est rien du tout, ça. Voilà. Avec un peu de plantes. Parce que les plantes, c'est la vie aussi. Faut boire. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il faut... N'oubliez pas de boire pendant les chaleurs. Surtout que là, apparemment, on va quand même vers de grosses chaleurs, de ce que je sais. Du coup, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Faut s'hydrater. Toujours. Bien entendu, il faut boire de l'eau. Cela va de soi. Pepsi bien froid. Le problème, c'est qu'il me semble que tout ce qui est un petit peu sucré, ça te déshydrate. Donc, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. C'est quoi ces plantes qui volent? Non, je n'accepte pas les plantes qui volent. Pepsi Zéro. Ouais, ça je sais pas si ça déshydrate par contre. Je sais pas si ça hydrate non plus. Le zéro... Je sais pas. Je ne saurais dire. Lissage. On peut lisser là un petit peu parce que ça fait moche. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a officiellement terminé l'enclos des loups. Café glacé? Ouais. Non, je sais pas en vrai. Mais moi je suis pas très fan de café. Mais non, mais... Mais sérieusement, c'est quoi tout ça? Oh les gens! Mais les gens! Mais apprenez à jeter vos déchets dans des poubelles, elles sont pourtant pas... Enfin je sais, dans toute cette zone-là, il n'y a pas de poubelles. Mais quand même! Non, franchement les mecs... Ok, je pense... On va se faire une zone ici. Où on va mettre... Bon. Poubelle. On va mettre deuxième banc. On va le retourner. Comme ça, on aura un banc de chaque côté. Avec dupliqué. Deuxième poubelle. On va prendre... Excusez-moi, j'ai dû faire du copier-coller. On va prendre un arbre comme ça. Ouais, il ira très bien. On va le mettre là. On va reprendre poubelle. De l'autre côté du banc. De l'autre côté de l'arbre. Avec poubelle. Banc. Banc.
et poubelle. À côté, là, on va mettre boîte à dons. Duplicage. Boîte à dons. Blanc. On va prendre ça. Bah ouais, c'est des crasseux. Faut leur vraiment leur mettre des poubelles tous les 10 cm parce que sinon ils balancent tout par terre. C'est honteux. Hop. On va peut-être la tourner celle-là. Et on va mettre en plus de ça. Bah ouais, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. On va le mettre même dans ce sens-là. Distributeur de soda. Et distributeur de jus de fruits. Le tout accompagné de caméra de surveillance. On va mettre derrière le distributeur. Comme ceci. Et voilà. Ça nous fait une petite zone en plein milieu qui est... qui est avec des bancs, des poubelles et tout ce que vous voulez, tout ce qui a besoin. Et je vais même rajouter... Je peux pas le... Est-ce que je peux le dupliquer, lui? Non, c'est pas... Oh, il m'embête. Parce qu'en vrai, il manquerait de... Il manquerait un peu de recherche. De recherche, moi, d'éducation, plutôt. Ouais, il n'y a pas du tout d'éducation, là, dans le coin. Du coup, on va peut-être prendre celui des loups. Les loups, je peux pas le dupliquer, mais non. Mais pourquoi c'est pas des groupes? Ah non, mais là, ça me prend tout mon bordel. Et moi, je veux pas, je veux juste le... D'accord, j'ai compris. Il va falloir que je galère à le chercher dans les plans. J'ai compris. Ça va. On va chercher. Pas juste dupliquer. Hein. Ok, lui, je l'ai trouvé. Lui, en vrai, là, ici, dans le carrefour, je pense que c'est pas mal. Va falloir qu'il y ait un agent d'entretien qui vienne me nettoyer tout ça, parce que c'est vraiment le bordel, là. Alors, on va mettre des informations sur la surexploitation. De toute façon, il faut mettre un peu de tout. Et le déclin des abeilles. Ah, le déclin des abeilles, hein... Je veux pas dire, mais le jour où il n'y a plus d'abeilles, on est dans la merde. Mais genre vraiment. Les abeilles, c'est hyper important. Alors, vous êtes où? Non, c'est pas toi que je cherche. Plutôt toi que je cherche. Toi, là, viens nettoyer tout ce bordel. Non, c'est un mécanicien. C'est pas ça que je cherche. Excusez-moi. C'est toi que je cherche, en fait. Viens. T'as toute cette zone à me nettoyer. Sa fille donne du miel. Bah écoute, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de miel. Mais à part le miel... Comment ça? Qui c'est qui va pas bien? Pourquoi tu vas pas bien? Je crois qu'il va falloir qu'on rajoute des soigneurs. Je crois qu'on va éduquer aussi nos soigneurs. On va leur donner des promos. Toi aussi. Eux, il n'y a pas besoin. Eux, on va les former aussi. Eux, on s'en fout, il n'y a pas besoin. Eux, on va les former. Et nos vendeurs, on va aussi un petit peu les former.
On va les payer plus cher, mais ils seront plus efficaces et je crois que là on a besoin d'un peu d'efficacité. De toute façon, en vrai, depuis qu'on a commencé, là, on est monté quand même à 90 dollars. Donc, en vrai, on se fait des sous. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La monnaie, on s'en fait, donc on peut se permettre de dépenser plus de sous. Et d'ailleurs, en parlant de dépenses, on va augmenter nos dépenses en marketing. On va faire du marketing. Et je pense qu'on va se mettre une petite émission à 5000. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Par contre, on va arrêter la campagne de sur les boîtes. Ça fait que 4000 en plus. Faut voir si les finances se suivent. Et du coup, oui, on a besoin d'un soigneur ici. Qu'est-ce qu'ils font, mes soigneurs? Ils dorment ou comment ça se passe? Ouais, ils sont... On va en rajouter. Allez, on embauche. On embauche du personnel, nous, on est comme ça. Non, monsieur, on ne manifeste pas. Oh. J'autorise pas les manifestants dans mon zoo. Pourquoi vous êtes pas contents, les gens? Cause de l'éducation, mais l'éducation, écoutez, je fais ce que je peux, moi. Je peux rien, moi, si vous êtes pas éducable. non, c'est une blague, voyons. Du coup, on a dit que je devais rajouter de l'éducation. Je cherche. Que si je mettais que les favoris, non, je n'ai pas mis un favori. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je leur ai mis un favori? Ce que je cherche, c'est le caillou que j'ai utilisé tout à l'heure pour les loups. Caillou que je ne trouve pas. Oh, mais regardez-moi ça, si c'est pas beau ça comme point d'information. En vrai, j'ai clairement pas la place de le mettre. Moi, qu'on le mette ici, ça dépasse un peu dans le... Ça se verra pas. Regardez, c'est magnifique ça. Pourquoi il y a un ours dessus? Mais non, vous pouvez pas mettre un ours dessus alors que c'est des loups. Voilà. par contre, il n'y a pas une... Ah non, il n'y a pas de haut-parleur dessus. Il faut rajouter un haut-parleur. Parce que le haut-parleur, c'est important. Mais non, mais on peut pas mettre un ours sur un truc de loup. Voyons. Hop, on va le cacher juste ici, notre petit haut-parleur. Non, madame, c'est pas vous que je veux. Non, monsieur, c'est pas vous que je veux. Je veux mon haut-parleur! Poussez-vous! Non, je rigole pas, poussez-vous. Voilà. Et au niveau de la taille, on peut augmenter. Clairement, on peut augmenter. Sans toucher... Là, on touche. Là, on touche pas le... Les grues. Et je pense, là, ici, il faut remettre un truc d'éducation pour les grues. Ah, et bah lui, il veut bien que je duplique. Voilà. C'est pas compliqué de dupliquer. On va le mettre juste ici.
Et là, ça se touche. Quand ça se touche, c'est pas bien. Donc on va diminuer légèrement la taille de lui. Encore un petit peu. Voilà. Là, ça fait de l'éducation. Là, vous voyez, ils avancent tout là. Là, ils ont de l'éducation. Éducation forcée. Éduquée. Bon. On les éduque. Non, mais franchement, ce panneau là, je le trouve très joli. Il est très stylé. J'aime beaucoup. Sinon, au niveau bien-être des visiteurs. Parce que je pense qu'en vrai, ils doivent manquer de toilettes dans le coin. Là, ici, ils vont manquer de toilettes. Il va falloir leur mettre des toilettes. Et probablement de quoi manger aussi et boire. Les recherches qui avancent. Je pense que dans ce coin-là, il faudrait peut-être leur mettre... Il va falloir... attendez, excusez-moi, mais on va vendre tout ce bordel, là. Parce que j'en ai mis du bordel. Tout ça, j'en ai plus besoin. Bon, j'ai pas fait ma cascade ici. Mais je pense qu'on la fera, la cascade. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ici, il va falloir qu'on mette un restaurant, je pense. Soit je mets le restaurant ici. Non, par là, non, peut-être pas dans les montagnes. On a quoi comme restaurant? Enfin, soit je mets un restaurant, soit je mets plus un truc avec plein de petits commerces et des tables de pique-nique, hein. On peut aussi faire ça. Hein. On peut mettre des snacks. Ouais, mais ça, c'est le restaurant que j'ai déjà mis. On va peut-être pas le remettre une deuxième fois. Après, celui-là, il est pas mal de restaurants. Il n'y en avait pas un en haut aussi. Ouais, mais celui-là, il fait vachement plus Afrique. Ça va pas le faire. J'avais pas une zone un petit peu sympa où on pouvait... En vrai, ça c'est pas mal comme bâtiment. C'est un petit café avec des donuts. Ouais, je crois qu'on va se mettre ça, hein. C'est pas vraiment un restaurant, mais café donuts, ça compte comme nourriture et boisson. Donc, soit je viens le coller juste ici. Ce qui en soi est une bonne idée, soit on vient plus le mettre par là. Je pense qu'on va le coller ici. Faut juste... On va mettre pause. On va retirer les allées qui sont là. On va essayer de nettoyer un petit peu le... Bon, c'est vite fait nettoyer. Non, service. Je l'ai perdu! Oh non! On peut le réserver que pour les ours. Ouais, non, 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 il n'y a pas de réservation que pour les ours, surtout que les ours, je sais pas quand est-ce qu'on les aura. Puisque les ours, c'est quand même un animal qui coûte cher pour l'entretien et tout ça. C'est pas pour tout de suite, les ours. De toute façon, on en mettra plusieurs dans le zoo. Peut-être même qu'on mettra quelque chose encore mieux pour les ours. Ok, on va le caler comme ça. Et l'allée, alors là par contre, les allées, on va galérer. Est-ce qu'il y a des toilettes dans le truc? Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes, vous m'avez fait un café. Ah si, il y a des toilettes. C'est beau, Shirkati, c'est beau, ils m'ont mis des toilettes.
Par contre, on va mettre plutôt du plancher de bois, même si techniquement on ne devrait pas le voir. Pour retirer, allez avec bordure, on vire. Et passerelle avec rambarde, on vire aussi. Ok, en fait ça se voit totalement, c'est pas grave. On va aligner sur la grille, parce que là, faut tout aligner sur la grille. Hop. Voilà, là, faut qu'on arrive à faire quelque chose d'on ne peut plus propre. Faut mettre du sol partout. Relier aux toilettes. Voilà, comme ça, on a tout. Hein. On a boisson, nourriture et toilettes. Et c'est là qu'on va voir... Et qu'on va espérer que tout va bien se passer et que ça va gentiment se relier. Oh, ça c'est beau, merci. Ça se relie gentiment, sans problème. Merci la route. Oui, je sais, j'ai un problème. Mais non, mais généralement la route, elle me fait n'importe quoi, alors c'est terrible. Et du coup, on va rajouter des petites tables. Non, non, mais la route, voilà quoi, c'est mon cauchemar les routes. C'est la première fois que ça marche. Ah ouais, non mais... On en est là. On va mettre ça comme table. Est-ce que je pourrais en mettre deux, genre une là? Ouais, non, ça fait trop proche. On va mettre une petite table ici. Petite table là. Une petite table là. Et c'est tout, parce qu'après là, ça va être une zone plus de passage. Par contre, on va mettre des poubelles. Bon, elle est un peu dans le mur, mais on va dire c'est pas grave, c'est normal. Oh, hey, les mecs, ils ont même prévu un emplacement pour les ATM. Et je vais clairement profiter de cet emplacement pour mettre un ATM. Attendez, c'est indiqué comme ça, bien gentiment. Et on va même rajouter... Ouais, celui-là, je pense qu'il se fondra parfaitement dedans. Voilà, faut juste le remonter. Voilà, quand même ça, il y a même un distributeur. Non, franchement, quand vous voyez quand même comment j'ai galéré pour faire juste le truc basique que j'ai fait pour les loups... Vous imaginez pas, en fait, les mecs, le temps qu'ils ont passé à faire ça. Hein. Parce que tout ça, là, c'est du petit détail qui a été rajouté, c'est... Ouais, franchement, les mecs qui font des bâtiments comme ça... Moi, je dis respect, hein. Franchement, je sais pas si je serais capable, sans parler du temps et de la patience qu'il faut. Hein. Ça prend beaucoup de temps et il faut de la patience, hein. Ouais, je mets tout plein de poubelles, mais les gens sont comme ça. Faut leur mettre de la poubelle, hein. Ça, les poubelles... Il y a peut-être déjà une caméra de sécurité. Attendez, on va vérifier. Non, il n'y a pas de caméra dedans. Du coup, on va rajouter une caméra. Pam, 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 pam. C'est où c'est là-dedans. Sécurité. On va la mettre au-dessus de l'ATM. Ouais, je suis obligée de modifier le groupe, mais je veux juste... C'est juste ma petite caméra, moi, que je veux déplacer. Hop, on la tourne comme ça. On la tourne comme ça. Ça, c'est beau quand ça se déplace nickel comme ça. Ensuite, on la déplace. Et on va la caler là, sur le mur. Juste au-dessus de l'ATM. Bah ouais, comme ça, si jamais tu te fais agresser pendant que tu retires tes sous, bah... T'es filmé, après l'agent de sécurité, il arrive, il arrête le monsieur, voilà, tout va bien, et puis c'est fini. Par contre, ce qu'on va rajouter... Et c'est pour ça que j'ai toujours pas remis play... Parce qu'on va mettre là sur le côté
un petit chemin qui va accéder à l'arrière du café, où on va mettre locaux du personnel, une salle de repos pour le personnel. On va remettre celle-là, en vrai elle est jolie. Alors par contre, attention à la zone négative, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Pourquoi ça fait un bruit de grillage? Je ne sais pas. Et ce qu'il faut remettre, bien sûr, c'est le purificateur d'eau pour l'habitat qui est juste à côté. Et également l'électricité, parce que sinon on est mal. Il n'y a pas d'électricité. Bah ouais. Donc normalement... Retiens-moi ça. Et bah normalement l'électricité, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce que toute cette zone-là n'est pas activée par l'électricité. C'est un problème. Mais ce que je peux faire, c'est remplacer l'éolienne. Et je préfère clairement les éoliennes par un transformateur. Puisque le transformateur a plus de portée. Mais le transformateur, j'aime pas ça. Parce que je crois que ça coûte plus cher que les éoliennes. C'est... Les gens, ils aiment vraiment pas ça. Et honnêtement, les éoliennes, c'est vachement mieux. Mais là, pour le coup, on va mettre un transformateur. Et j'aime pas ça, hein. Mais normalement, il a une plus grande portée. Et il a pas assez, une assez grande portée. Pourquoi il y a deux balles au fait? Il y a deux... Ah, ça c'est pour l'ambiance. Et donc ça, c'est d'accord. Ouais, 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 je vois. Du coup, ça m'embête. Toujours qu'il y a un truc qui m'embête. On va peut-être modifier. Et passer plutôt de ce côté-là. On va plutôt passer de ce côté-là. On va mettre les services, donc on va mettre l'éolienne. Alors pas trop près, faut surtout pas qu'elle touche la route. Pas que l'aspect négatif il touche la route. Je veux pas ton groupe avec le traitement de l'eau. Je veux toujours pas ton groupe. Et le bâtiment, bah, on le déplace, lui. Et on va venir le mettre juste ici. Tout ça on supprime. Et là, au niveau de l'eau, on est bon. Au niveau de l'électricité, on est tout bon. On peut supprimer toute cette route qui ne sert à rien. Ah, des fois c'est compliqué, hein, mais il faut du matériel. Et on va pouvoir remettre gentiment sur lecture. Voilà, et il y a tout le monde qui travaille. On va prendre aussi... Ah, c'est les textures. Herbe courte, il y a de l'herbe qui dépasse. Ça le fait pas si on a de l'herbe qui passe à travers le sol. Voilà, comme ça les gens ont accès aux toilettes. Petit café, petit donut, de quoi se mettre très bien. Non mais il y a encore de... Il y a encore de l'herbe là qui passe à travers le sol, ça le fait pas.
Voilà, notre nouveau café m'a l'air d'être apprécié. Et vous, je sais pas ce que vous faites, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous savez pas ce que vous faites. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, bon, ça a duré qu'une seconde, qu'elle avait un problème de bien-être, mais à part ça, tout va bien. Alors, par contre, l'allée. On va la remettre. On va remettre les passerelles et tout ça avec les rambardes. Et celle que je mets, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, parce qu'on va peut-être remettre les rambardes. Là, on est encore au niveau des loups. Hein? Bon. Un peu de prudence. S'il vous plaît. J'aime bien. Cette passerelle, il y a tout plein de monde. Et ça, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand il y a tout plein de monde sur mes passerelles. Miaou! Eh ben, écoutez, les amis, ce sont donc sur nos magnifiques loups. Et je crois que l'enclos est déjà très sale. Parce que je crois que nos loups se sont très vite reproduits. C'est sur ce charmant petit louveteau tout mignon, tout choupi, que l'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce petit live vous aura plu. Que ces loups ne font pas trop de bruit, parce qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup de bruit. Mais ce petit louveteau est tout mignon. Franchement, regardez-le. Ah, tout choupi! Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures dans ce petit zoo. Des bisous et bye!